Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale, un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, même si on reste dans le domaine des films de merde. Mais là, l'occasion était trop belle pour que je fasse quelque chose, à savoir Neil Breen, cet être divin qui nous est tous supérieurs, a sorti la bande de son nouveau film, ce qui est quand même incroyable. Donc, du coup, j'ai résisté, puisqu'il est sorti, la bande est sortie hier soir. Et du coup, j'ai résisté. On va regarder ça tous ensemble. On va réagir à cette bande de 4 minutes pour un film de 1h30. Donc voilà, la bande-annonce du nouveau film de Neil Breen, c'est tellement une belle occasion. Et je sais que c'est une figure qui divise, mais moi, Neil Breen, c'est ma came. J'aime beaucoup ce que cet homme fait. Donc je suis très amateur et très impatient pour regarder ça tous ensemble. Donc du coup, je vais vous montrer d'abord le site. Et après, on va regarder la bande-annonce ensemble du film et j'espère qu'on va bien halluciner tous ensemble. Alors, du coup, le site, hein, vous voyez que même si c'est un film de 2023, le site en lui-même pour faire la promotion du film est de 1997. Voilà, c'est vraiment catastrophique, mais bon, c'est comme d'habitude avec Neil Breen, hein. Ceux qui ont tenté d'acheter des DVD et des Blu-ray de Neil Breen le savent. Lui, tout ce qui est marketing et visuel. Non, ça n'est pas son truc. Donc du coup, le film s'appelle Cade, The Tortured Crossing. Yeah, motherfucker. C'est la suite de Twisted Pair, qui était son précédent film, et qui était tellement bien qu'il s'est dit qu'il allait faire une suite. En réalité, j'avoue, c'est mon Neil Breen préféré aussi, parce que c'est peut-être son plus accessible, et peut-être celui où il y a le moins de ventre mou, même s'il y en a, évidemment, mais c'est pas autant que Double Down, évidemment. Qu'on avait déjà traité sur le podcast. Donc, si vous n'avez pas encore écouté notre épisode sur Double Down, n'hésitez pas à le faire. Et évidemment, on fera tous les films de Neil Breen à terme dans l'ordre. Donc, vous inquiétez pas, on va faire tous les films de Neil Breen. Et on fera du coup celui-ci dans le futur, c'est sûr. Voilà. Globalement, Twisted Pair, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de deux jumeaux aliens, intelligence artificielle, qui étaient humains, mais qui se sont fait kidnapper par une entité divine, qui sont venus, qui sont aussi divins, qui ont des pouvoirs, mais on ne sait pas trop les pouvoirs. C'est très compliqué. Et donc, voilà, il y a eu le premier film. Et maintenant, on va voir ce qui arrive à Cade maintenant. Qu'est-ce qu'il fait après Twisted Pair, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, du coup, on va regarder, vous voyez, 1h36, le film est déjà complété, et il sortira début 2023. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il sera sans doute au Grand Rex pour une nuit de Nanarland, je n'en sais rien. En tout cas, quand ça sera le cas, on sera là. Donc, ouais. Et c'est parti, regardons ça. I think together Oh. we can make a success of this. Ça commence très fort. They are Il essaie même plus de prétendre que c'est des vrais décors. heroes. Tout est en fond vert, c'est encore pire que dans Twisted Pair. I, we will never let them down. Mais Brin, c'est bien, c'est que chaque film, nouveau film, il apprend de nouvelles choses et c'est toujours de pire en pire. C'est toujours pour faire des trucs de plus en plus nuls en fait. This youth trafficking is Regardez, là. disgusting. We had two more last night. C'est des images d'archives et il a juste mis deux gogoles qui s'assoient dessus. Ça, je pense pas que c'est des films non plus, parce que c'est juste des images et il a fait un truc. Oh, mais c'est honteux! Tout le film va être comme ça! On va crever. 1h30 comme ça, non, mais c'est pas possible. Au moins dans Twisted Pair, il y avait au moins les décors de l'université qui étaient vrais. Et beaucoup d'incrustations. Mais là, ça a l'air d'être que de l'incrustation! What the hell's going on here? Oui, qu'est-ce qui se We're passe doing the ici? Best we can. We're trying. We're trying. That's not good enough. Yes. T'as raison, Kane. C'est pas assez bien. Let go! Ouais, là, ils peuvent pas interagir avec le. Ils peuvent pas interagir avec le fauteuil roulant parce qu'il n'existe pas avec ces images. Putain. Oh là là, mais il n'y a pas de lit. Oh mon.
mon dieu, c'était... Regardez comment les incrustations sont mal faites dans le lit. C'est fantastique. Ou alors c'est les matelas les plus confortables de la Terre, mais... Non, non, mais là... Oh là là. Non, mais le détourage autour, là, regardez, c'est terrible. C'est terrible. C'est merveilleux, du coup. I want to see where my money's been going. Please don't let them hurt me anymore. Megan, oh là là. What do you know about the patient trafficking that's going on here? What do you know about the gene editing research? Qui parle comme ça? You must know something. Qui parle d'autre quelqu'un qui... Ah, le jumeau est là. Ou alors c'est juste avec une fausse barbe. There's been a huge increase in the amount of kidnapping of the youths and runaways that are being used for medical testing. We'd like you to keep a lookout for any irregularities that might happen at your lab. We can make a difference with them. Non mais là les décors, enfin il n'y a pas de décors. We will. C'est pas possible. C'est... Oh, il nous fait... We've taken in 6 new patients this week. We've lost 2. We can't afford to lose any. Patients are money. Wherever there's an injustice, I will be there. Wherever there's a fight, we will be there. I will never. Il s'est multiplié. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Ah, oh, cette bande-annonce, c'est un parc d'attractions, c'est incroyable. Oh là là. They are coming for you, my warriors. Je sais pas ce qu'il a avec les mouvements de voix, parce que là, il bouge même pas. Il essaie même pas de prétendre qu'il parle, en fait, c'est cool. Donc il se bat avec les mecs de l'hôpital psychiatrique contre les ninjas. C'est incroyable. Oh là 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 là. Il faut que je voie ce film 50 fois. Enfin, c'est pas possible. Ah mais... 4 minutes et c'est déjà... Mon cœur est déjà... rempli d'émotions. C'est incroyable ce qu'on a vécu. Bon bah, Neil Breen... Il semblerait que ce soit encore un sans faute, hein. Je serai devant ton 6e film. Évidemment. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Incroyable. Donc voilà, c'était tout, messieurs, dames. Je voulais juste vous partager cette joie. Cette joie que me provoque Neil Breen. Et du coup, je suis impatient de regarder ce 6e film. Et j'espère que vous serez là quand on parlera des autres films de Neil Breen dans le podcast. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fête de fin d'année. Puis à la prochaine. Ciao.